Pour cette saison sur FIFA 23, je vous présente le site FIFA Coin. Vous arrivez sur le site et vous mettez les crédits FIFA 23 et là vous avez la possibilité d'acheter autant de crédits que vous voulez. Avec mon code PSYCHO, vous avez 5% de remise sur votre commande. N'hésitez pas à aller faire un tour, le lien est dans la description les potes. Pour éviter tout problème, n'hésitez pas à utiliser au plus vite vos crédits. Achetez un joueur tout simplement ou utilisez-les pour ouvrir des packs. Mais ne gardez pas les crédits sur votre compte et changez votre mot de passe le plus rapidement possible. C'est une finale de draft. On verra si bon, on peut aller chercher quelque chose ou pas. On a une belle équipe, Ligue 1, Icône. Ça se passe bien, hormis voilà, toujours des petits bugs dans les matchs, mais voilà, on verra bien ce que ça donne maintenant au niveau chat ou pas. L'équipe de mon adversaire, Dry Team, très bien. De Gea au goal, Mediala ou Van Dijk, oh, c'est joli, je trouve que ça va rendre ou joli Ronaldinho. Joli petit Ronaldinho, je pense qu'il va faire des changements directs. Bah nous aussi de toute façon on va faire des changements directs. Hein. On joue pas avec Nsame malheureusement, mais on joue bien avec notre petit Eric de King Cantona et Claude Mambalekoui Makelele en milieu récupérateur. Allez, let's go les gars. La finale, écoutez, quoi qu'il arrive, on est content. On a déjà fait avancer pas mal les défis sur cette draft, donc c'est cool. Si on peut prendre une win, on la prendra. Et puis si on peut pas, bah c'est pas grave, tranquille. De toute façon, le match serait compliqué, on l'a déjà eu. Full bugué, donc là, je pense que normalement, au niveau des bugs, ça va un peu se calmer. Souvent comme ça, hein, t'as souvent un match full head, ou etc. Et après, derrière, ça se calme un peu. J'ose espérer que là, ça va se calmer. Et qu'on va pouvoir jouer, lui et moi, un match équilibré et pas forcément bullshit. Ça serait cool. J'ai pas tellement de propositions ici. Dommage, Dimitri. Il a l'air de bien défendre quand même, mine de rien. On va faire attention. Deuxième, tu connais. Ronaldinho qui était là pour la défense. Faut que je prenne mon défenseur central là parce que... Voilà. On a mis une pression avec le tac pour que justement... Ils perdent de la vitesse pour que nos autres joueurs puissent se replacer parce que sinon ça aurait été la merde. Ah, il est bon, bien placé défensivement. Ah, ok, puis ça va jouer très très direct. Ah, oh non. Pff, non mais O et A I A. Tout va bien. Très direct en LBY, faut faire attention. C'est simple cette passe pourtant. C'était pas du tout à lui, c'était Eric Cantona qui pouvait aller seul, mais manquait de faire la passe quoi. C'était pas du tout à lui la passe, j'ai le seum. Je le voyais même pas sur l'écran, tu vois. C'était vraiment pour mon joueur qui était mieux placé au deuxième. Ce genre de corner, hein. D'accord. Il est seul. Ah oui, la vision de jeu les gars. On a vu, il était seul, il fallait tenter le centre ici. Même si c'est Virgil, il était plus au marquage. Donc on a centré direct alors qu'on aurait pu peut-être rentrer dans les 16. Mais là j'ai vraiment vu une opportunité de centre et puis un démarquage assez important. J'ai tenté, ça a payé, tant mieux 1-0. Il faut continuer comme ça, peut-être un petit LBY là pour David qui peut être plus rapide. On va essayer de s'arrêter puis mettre à Cantona. Bon bah c'est but hein. Oh dommage. La vision de jeu était très bonne aussi ici. On va jouer à deux. Oh, la passe était... Me paraissait plutôt simple. Oh, si j'enchaînais derrière, c'était incroyable. C'est le geste qu'il fallait faire ici. Défense à deux qui m'a eu mal. Je mets le gros tacle ici pour arrêter l'action directe. Faut pas que je sorte mon latéral. Bien joué. Dommage, dommage. Allez, on recommence tout. 1-1. Logique, hein, dans cette position, Benzema, tu peux pas tellement espérer qu'il rate. On aurait dû marquer le deuxième avec avec Cantona, on l'a pas fait. Hein. C'est tout. Hein. Allez, il faut absolument gagner ce match. C'est le dernier, mi-temps. Allez, plus qu'une mi-temps pour essayer de faire la différence. Pour l'instant, c'est compliqué. Mais il nous reste l'espoir des 45 prochaines minutes. Je trouve qu'on joue bien, mais il manque la finition. Bah, de toute façon, c'est un peu le même problème qu'on a eu toute l'année. Hein. C'est que, ouais, on peut bien construire, on peut bien voir les choses. Mais alors, au niveau finition, on est bancal, quoi. Vraiment. Explique. Vous, les skillers, là. Expliquez-moi pourquoi mon Payet là s'est écarté comme jamais sur ce dribble. Parce que moi j'ai pas l'explication. Tu vois, je fais mon double contact avec L1 là pour justement qu'il fasse un petit râteau en même temps. Pourquoi il s'écarte autant en fait?
pourquoi il s'écarte, je comprends pas ça du tout quoi. Vraiment je comprends pas. Allez, sur le côté, c'est bien. Diatta, vas-y. S'il te plaît, passe une fois dans ta vie. Ouais, bon. Je vous dis, quand je rate des montagnes pareilles et sur des actions si bien construites, je me dis que j'ai pas le droit de marquer, tu vois. Et quand tu commences à penser ça, c'est mauvais signe. Je l'ai tué. Sur l'action, je l'ai tué le mec, tu vois, vraiment. Let's go, Maldini. Oui, il fait du bien celui-là. Il était pas prévu, mais il fait du bien. Oh, le crochet est bon. Allez, s'il te plaît, Eric. T'es pas fait pour ça, mais une fois. Ah, dommage, ouais, t'es pas fait pour ça, quoi. C'est la vérité, il faut dire ce qu'il y a. T'es pas fait pour ça, mon frérot. Ah, j'aurais limite pu... Non. Mais ouais, mais non, mais je voulais juste passer l'animation. J'essaie de la prolonger, quoi. Enfin, là-bas, je pensais faire une talonnade, mais il est allé en profondeur. Et merde. Faut marquer, hein. On va s'en prendre un. On sait qu'on va s'en prendre un sur une contre-attaque, un truc. Non, je l'avais, la balle. Hein ? Tu veux dire quoi ? Comment tu veux rester calme et te dire bon bah c'est voilà c'est le foot, c'est comme ça. Il y a mon joueur qui tacle, on sait pas pourquoi, et derrière le gardien, mon gars, se fait rentrer dedans et du coup ne peut pas plonger, hein. Il y a ça qui se passe, hein, les gars. C'est délirant. Moi je trouve ça délirant en tout cas. Heureusement qu'on a fait rentrer à la Warren. Oh, ça c'est beau. Non mais le but qu'on se prend, mon gars. Imagine, fut champion, 90e minute, et tu perds là-dessus. C'est compliqué d'accepter quand même. Ah oui, bah c'est sûr, c'est sûr. Ah, ouais, ouais, ouais. Vous avez dit, hein, qu'on n'avait pas de problème à la base, on jouait bien. Et derrière... Ah ouais, je suis désolé, tu peux pas imaginer autre chose. Tu peux pas te dire, de façon legit, ils essayent pas de me la douiller, quoi, quand même. Là, c'est grave, sérieux. Oh, ce qu'on rate, c'est indécent. Ce qu'on a raté, là, c'était... Pourtant, l'action, elle était magnifique, hein. Bon bah ça passe les gars, mais c'était pas facile, hein. Cette draft, franchement, les deux derniers matchs ont été chauds, mais on a raté des montagnes. Mais faut que je vous montre le but égalisateur qui me met avec celui-là. Regarde, là, explique-moi ce que fait mon Maldini, alors que je tacle pas, hein. Ok, on rate. Regarde, dis-moi pas qu'il y a un double rebond quand même. Ah oui, regarde, je tacle mon pied, ça tape mon genou, ça va sur lui, et là, regardez bien. Mon gardien, là, je le sors pour un peu boucher l'angle. Regardez. Je te dis quand même, c'est fou quoi. Mais bon, allez, ça passe. On va aller ouvrir les petits packs de la victoire de draft. Donc on fait les drafts parce qu'il y a des petits défis à faire. Donc autant le faire. On peut avoir un pack joueur rare et un pack or, c'est cool. Tu vois, c'est un pack à 50 000. En plus, là, on peut packer des petits joueurs qui valent peut-être 10 000, 20 000 crédits. Donc au final, c'est assez rentable de faire des drafts si t'arrives à chatter un petit peu dans les packs. Et derrière, dernier pack, les gars. Et on terminera là-dessus pour aujourd'hui. Et malheureusement, on pack rien. C'est dommage. On aurait pu avoir un petit truc qui nous aurait récompensé. Mais voilà, les petites animations. Non, Brozovic, quand même. Animation, on va pas se plaindre. C'est bien. Ça fait des petits crédits. Et c'est cool. Matip aussi à l'intérieur. Bonou, ok. Non, c'est un bon pack. Bon, écoutez, au moins, on aura gagné cette draft. Et moi, je vous dis à demain pour FIFA. Prenez soin de vous. Step Psycho. À plus. Ciao.